une nouvelle nation de mélange socio-culturel tout à fait particulier est née dans la cité balnéaire de San Pedro. Terrassée par la Guinée équatoriale le lundi 22 janvier, lors de la dernière journée des phases éliminatoires de la poule A de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire jusqu'au bout du fil pouvait compter en ultime recours sur une hypothétique victoire marocaine sur la Zambie pour espérer éviter que le coup du sort se répète 40 ans après 1984. Dans les gradins du stade Laurent Poupou de San Pedro, où se jouait le destin des pachydermes ivoiriens, l'anxiété des supporters venus soutenir le 11 marocain est palpable. Derrière les chants d'encouragement aux Lions de l'Atlas, la pression de l'enjeu transparaît. Fort heureusement, le public marocain trempe dans le bain. Voilà, c'est le temps pour laquelle. On veut la victoire de Maroc. Maintenant, la carte c'est sur les quatre équipes. Donc, il faut forcément les troisièmes meilleurs, au moins quatre troisièmes meilleurs pour compléter les 10 qualifiés directement. On fait 16 équipes pour jouer les quarts de finale. Motivé par le besoin de solidarité envers la Côte d'Ivoire, les supporters des Lions de l'Atlas embarquent le stade Laurent Poupou dans un refrain repris en chœur par les spectateurs ivoiriens. Contrairement à ce qui se dessine dès les premières minutes avec une nette domination des Maghrébins, le match se crispe. À la 37e minute de jeu, c'est la délivrance. C'est un tournant dans le match. En effet, plus aucun but ne sera inscrit jusqu'au coup de sifflet final, malgré quelques frayeurs dues à des ratés limites de l'équipe zambienne qui aura tout donné. Mission accomplie pour les poulains de Walid Regragui. La Côte d'Ivoire, elle, ressuscite in extremis. Suffisant pour faire basculer les deux peuples dans une liesse totale dans les tribunes. Ah bah félicitations au Maroc, félicitations nos frères ivoiriens. On souhaite qu'on se rencontre à la finale et on remporte la coupe. Dis-moi Maghreb, dis-moi Côte d'Ivoire. Viva Maroc! Viva Maroc! Viva Maroc! Viva Maroc! Viva Maroc!
qualifié, 20 tout battu. Que Dieu bénisse le Maroc. On a qualifié. Les Marocains, Côte d'Ivoire. Complot de série. Bah, on est très contents. D'Imam Grève, on va continuer jusqu'au bout. De notre équipe nationale, on a qualifié et on saura obtenir la Coupe africaine, Inch'Allah. Jusqu'où iront les éléphants après cette qualification obtenue par un trou de souris? Réponse dès ce lundi 29 janvier en 8e de finale face au Sénégal. Deux EFTV, la chaîne de votre parcours, la chaîne de votre trajectoire.